un salon réservé aux professionnels. Ils mettaient à l'honneur ce produit-là. Et en fait, ils m'ont demandé de créer des recettes pour le montrer en application. Hop. Donc ça Voilà! se Là, c'est présente pro! en cubis comme ceci. Bon, ils m'en ont envoyé deux. Le premier, il est tombé. Et en fait, ça, c'est du jus de cacao. En fait, quand vous ouvrez une. Bon, toi, tu dois savoir, je pense. Merci, qui? Mais pour tous les autres qui ne savent pas exactement, vous avez l'arbre qui s'appelle le cacaoyer, qui ne vous donne pas direct des tablettes de chocolat dans l'arbre. Il produit des cabosses. Et quand vous ouvrez ces cabosses, vous avez deux choses. Vous avez des graines, pas des fèves, des graines, et du mucilage. C'est une sorte de pulpe blanchâtre, un peu gélatineuse, qui a un goût de litchi. Karine trouvait que ça avait un goût de poire. Et en fait, ils en font du jus avec ça. Le poire. Ouais, c'est assez sucré. Là, j'ai vu sur le carton, il y a 16% de sucre. Mais c'est du sucre naturel, c'est compris dedans, ils n'en rajoutent pas. Donc voilà, c'était plutôt cool. Donc on a fait Ah, c'est ce week-end? D'accord. Ok. Ouais, du coup, j'ai fait une pâte de fruits à base de ça. Avec une guimauve assa dessus, un bicouche, c'était plutôt cool. Beaucoup trop de fois praliné dans le titre. Coucou Hydro Bros, comment tu vas? Je sais que c'est les mots qui te font venir. Guimauve et praliné. Les grosses journées, mais les mots en vocal, ils te disent des phrases de plus en plus du chat. Ah ouais, ça, Sagarnifeld, j'ai trouvé la solution il n'y a pas longtemps. Parce que jusque-là, c'était compliqué, j'avais pas séparé les pistes audio. Du coup, tout le monde entendait Manon dans l'oreillette. Et c'était compliqué en fait pour tout synchroniser. Et puis des fois, elle peut dire, oh, t'es, il y a l'autre con qui est là et tout ça. Donc si tout le chat entend ça, c'est pas génial. Parce qu'on sait tous que Manon est machiavélique. Donc là, tout est séparé. Donc oui, on pourra avoir la fée de l'oreillette. Par exemple, ton stream me sert de fond sonore pendant que je travaille. Là, Ouais, c'est c'est vrai, Jérôme, pro. il y a plein de gens comme ça, ouais. Ou en ASMR visuel. Vraiment pour se poser, pour travailler. Donc, ben merci à vous en tout cas. Et vous êtes toujours aussi nombreux en plus. Donc, ça fait vraiment plaisir. Pas de tunnel pour enrober tes chocolats. Non, Vapo Jack, j'ai pas de tunnel. J'ai pas la place ici. C'est une des raisons pour lesquelles on cherche un.